Les ch'tis sont là. Les ch'tis repartent à l'aventure et se lancent à l'assaut de la ville la plus glamour du monde. La ville de toutes les stars, où les rêves peuvent devenir réalité. Hollywood. Les ch'tis sont à Hollywood. Ils ont 2 mois pour faire leurs preuves et imposer la ch'ti touch dans le paradis des stars. Seront-ils à la hauteur de Hollywood? Notre objectif, c'est déjà de réussir dans notre domaine. On a l'envie, on veut bosser dans n'importe quel job, on est motivé. Le niveau est là. Pour les aider à faire de leur rêve une réalité, les ch'tis auront une bouqueuse de choix. Bonjour. Voilà. Paris Hilton. Bonjour. Waouh, notre bouqueuse, c'est Paris Hilton. Paris Hilton. Shogun Tuna. Entre strass, paillettes et glamour. Eric Dane, Grey's Anatomy. Ils vont découvrir que derrière les tapis rouges de la capitale du cinéma et des people se cache un monde de compétition. The 3 keys to success in Los Angeles are to work hard, have a great attitude, and never give up. Plus que jamais, Los Angeles va mettre la famille des ch'tis à rude épreuve. Cette aventure, t'es plus la même, je te reconnais plus, gueule. Bah, c'est la même chose que je pense de toi aujourd'hui. Ah. Salut Vincent. Bah, je te dis pas bonjour, Christopher. Ouais, j'essaie, mais moi. Non, mais vraiment, je te dis pas bonjour, Christopher. J'ai fait toute la route tout seul et tout, et ça m'a vraiment pensé à tout ça. Elle est quand même mon témoin. Franchement, c'est des bons faux culs quand même. C'est une histoire de clan. Quand on dit que les ch'tis, c'est pas une famille, c'est vrai parce que. Bah oui, c'est pas une famille. Et oui, je dis la vérité. Les ch'tis, c'est pas une famille. Dans cette ville incroyable, les têtes de certains vont tourner et mettre en danger le reste du groupe. Ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Certains vont devoir renoncer à leurs rêves. Carlton, il est vraiment. Il a fait sa valise et il parle. Oh, d'autres, au contraire, vont y connaître la consécration. You're a star. Il y a tout qui marche. Je suis heureuse dans tout ce que je fais. Mais Hollywood va parfois refermer son piège sur les couples amoureux. Vincent, c'est une nuit. Si t'as pas confiance en moi, Vincent, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. C'est fini entre nous, it's over. Et parfois aussi rapprocher les cœurs célibataires. Entre tension et amour, les ch'tis vont vivre des expériences incroyables auxquelles ils n'auraient jamais osé rêver. Ils vont connaître des fous rires mémorables. La famille des ch'tis sera à jamais transformée et ils en garderont des souvenirs inoubliables. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. C'est ça qu'il faut. Va falloir bosser. On est prêt à tout pour acheter une voiture. Comme ça, on pourrait se balader tous ensemble. Je sais que vous voulez acheter une voiture. Je vous ai trouvé plein de petits jobs. Allez, let's go. Ouais, pas mal. Pas mal, hein. Ah là là. On travaille pour tout le monde. Donc là, on s'est serré les coudes et puis... On se donne à fond. Ça paye bien. Thank you, my friend. On dit merci, ma poule. C'était super sympa. Donc on a la voiture. Ouais, on a gagné beaucoup, beaucoup de dollars. Waouh, on peut s'acheter la voiture. Yeah. You are so beautiful. Oh, thank you. C'est Paris Hilton, c'est une fille, enfin voilà, super mignonne. Sofiane, alors il en fait des tonnes. Il se met vachement en avant. Je me dis, So, t'as pas à la prendre comme une star. Ça va, So, je trouve qu'il va faire un peu trop. Il n'y arrive pas. Il va vite se mettre tout le monde à dos. Hey. Ambiance. Je décide de lancer un petit jeu. J'ai des questions à poser en fait à certaines personnes. Je me dis c'est peut-être le seul moyen de les faire parler. Qui te plaît le plus? Physiquement, j'irais à Dixion. C'est une blague. Désolée, hein. Il y en a assez. Ma tête, ça a fait 3 tours. Là, elle va faire quoi? Elle va aller sur Jordan. Je suis à Dixion et je me tape des mecs. Dixion,
Alexia, elle m'inspire pas confiance du tout, donc on va voir comment ça se passe. This is how... Ton sac. Déjà, mon objectif premier, c'est d'être coach sportif à domicile. J'ai rendez-vous cet après-midi avec un coach sportif, avec Gaël. Je suis contente parce que je vais être son cobaye. Ciao les loulous, bye. Ça me fait plaisir de retrouver ma petite Gaëlle et puis d'autant plus de partir avec elle parce que je sais que c'est une personne qui est super motivée pour le sport. Alors, angoissée là, stressée? Je suis un peu stressée. C'est normal. On arrive à la salle de gym, je rencontre le coach, donc voilà, on se présente. Jordan. Aman. Nice to meet you. Gail. Aman. Nice to meet you. Pas mal. So, I come here for, yes, because I would like a trainer. Uh-huh. And, Moi, je lui explique un peu ce que je sais. Il me demande de faire quelques exercices. Tout se passe bien, je lui montre tout mon savoir-faire et ensuite il me demande de coacher Gaël. So now we're gonna make those harder. But we're also gonna make them harder for a woman. Show me what you would show her to do. Qu'est-ce que tu me ferais à moi? Tu me ferais quoi, moi? Ouais. Le coach demande à Jordan d'expliquer comment il ferait travailler chaque partie du corps. Donc moi, et surtout me demande à moi ce que j'aimerais faire chez moi. You want to work here, here, whatever you want. Just... Comment on dit? Mon cul. Just here. Just there. Yes. Okay. Donc forcément, je suis un peu en stress, je suis un peu en pression et tout ça. Je souffre quand je descends, ouais. Vas-y, ouais. Putain, mon ventre est trop gros. Et Jordan se débrouille bien en fait, hein, finalement, franchement, c'est un truc de dingue. Tu creuses un peu, là, il creuse un peu. Voilà. On y va ? Gaël, donc, elle me sert de cobaye, donc de là, je lui fais faire 2-3 exercices. Jordan lui obéit au doigt à l'œil, alors que, à la base, j'aurais dit, tu me fais chier, mais bouge, genre, j'en ai marre, je suis fatiguée, je dérouille, quoi. Je le traitais un peu entre deux, je suis, t'es con, quoi, j'ai mal. T'es sérieux, là ? C'est trop dur, mais ça chauffe. Allez. Même si je dérouille à fond, eh ben je le fais parce que voilà, faut que le prof voit que c'est difficile. Je le fais, que je transpire et voilà, c'est un travail. Là, c'est un travail de binôme. You're starting from a good place. You know, your knowledge of personal training is pretty good. Yes, thank you. You know, it's good. Okay. And you have some time here to try and get a certification to train here. Okay. Au final, bah, tout s'est bien passé, donc je suis super content. J'apprends que je pourrais passer mon diplôme de coach sportif cible. See you. Bye. Bye. Thank you very much. Good luck. T'inquiète. T'es au top. Bah, moi, je ressors de là avec Gaël. Bah, c'est vrai que je suis content parce que bah, même si c'était pas un examen, je pense que je suis sur la bonne voie pour réaliser mon rêve américain. C'est en 2 mois que j'arrive à faire ça. Ouais, bah tu sais quoi, tu peux tester sur moi, je suis ton cobaye. Comme ça, pendant 2 mois, tu me coaches, moi. Le matin, et Carlito en homme. Et Carlito en mec, bah parfait. En plus, moi j'aime bien être avec Jordan, sérieusement. On a une bonne complicité, et puis en plus de partager ça avec lui, ça me fait plaisir. En plus, si ça peut l'aider, je sais qu'il l'aurait fait pour moi en plus. On est entre Boris, Tofian, avec Charles, Carlito. Nous allons chercher la voiture. Hey, what's up, boy? Yeah. Sweet hey. Man, you know? Hey. Let's go to the car. Cash. Let's go to the car. Let's see how much you for got. You. 5,000, huh? Donc, quand je vois le monsieur, donc je donne l'argent. Donc, il est content, donc forcément, il recompte, etc. 5,000. I believe you, but I gotta count it. C'est une super voiture déjà, c'est une voiture de malade. T'as envie d'une chose, c'est la conduire. Congratulations. Thank you. On décapote, ok? On décapote. Dès le contact. Je suis super content, ça va être un super moment au volant de cette voiture. Ah. There you go. All right, you got it. Let's go, bon, bonjour comme ça.
Thank you, bye bye. Sofiane prend la voiture et direction Los Angeles. Entre boys, on kiffe à fond. On a enfin la voiture. Pip, pip, pip. On est en mode on se la pète dans la voiture de luxe. On rigole vraiment, quoi. On est vraiment dans une bonne ambiance. Et on arrive à la maison, musique à fond, etc. On est content, ça y est, on a la voiture. Voilà. Like the legend of the phoenix. J'adore. I like. Là, on est toutes coiffées, brochées. Wow. Hey, Paris. Thank you. It's beautiful. Ça fait bien. Tout le monde est beau, tout le monde est joli, tout le monde est parfait. Donc, on décide de rentrer à la villa. Oh, on sent mieux, hein. Qu'est-ce que tu es belle. Qu'est-ce que tu es belle. Oh, papa. Voilà, voilà, voiture. Me relay, stay so cool, I'm chilly. I done made that melee on my way to that ballet. Used to have a piggy bank, but now. On arrive à la maison, donc bah voilà, on commence à monter et là on voit le cabriolet. C'est dur à monter. On en kiffe total, on voit le cabriolet, il est canon. Ah oui, mon bébé, ma voiture. C'est à nous. Elle est trop belle. Les garçons. Elle tue. Ça se doute. Elle est trop belle. Voilà la voiture. Je peux faire un carwash avec. La laver devant la maison. Bah d'accord, mais je me mets au volant. On arrive à la maison, donc là on débriefe un peu. Hey, what's up? Alors, c'était bien. J'étais avec Gaël et le coach et puis donc en gros il m'a dit j'avais le profil et tout pour, tu vois. Il m'a dit qu'il fallait que j'apprenne tous les jours et que dans 2 mois, je peux passer le concours de... Enfin, le diplôme de coach sportif. Un diplôme, carrément. Ouais, donc je crois. Bah, ça déchire. Et je vois qu'il a la niaque, il veut le faire à fond. Et je croise les doigts pour que ça marche pour lui. On ne construit pas pour sortir. Et attends, j'ai une question à te poser, Charles. Oui. J'ai peut-être juste une réponse à t'apporter. Oui, je pense, c'est possible. Ça te ferait quoi si Jordan ne t'a pas dit que c'est. Parce que franchement, je l'ai vu. Bah, tu vois, quand elle a répondu aux questions hier. Adixia, es-tu attirée par Jordan? J'ai pas eu le coup de foot quand je l'ai vu. Enfin, t'es beau, hein. T'es beau. Mais quand j'ai fait le shooting photo, en fait, voilà, ça m'a perturbée. Les yeux. Ses yeux m'ont perturbée, là, voilà. Franchement, moi, à ta place, je dirais Jordan, mais t'es grave, quoi. Non, moi, c'est quelqu'un. Ah, ça me ferait quand même quelque chose, mais voilà, je serais encore plus, j'ai déjà la haine, mais là en fait ça serait genre la haine de ouf quoi. Pour moi c'est une fille qui manipulatrice, tu vois. Let's go. Direction le bar à karaoké. On est au karaoké et on voit plein de monde avec des micros, etc. Ça fait le show, etc. Je dis waouh! Tout se passe bien, enfin voilà, tout le monde s'amuse. La soirée continue et ben il y a une serveuse du bar qui m'interpelle et que je fais vaguement connaissance avec elle. I'm from France. Where in France? Lille, 2 hours of Paris. On est tous ensemble. Mosso, il va chercher des meufs à droite à gauche. Ça, c'est pas normal. Là, je parlais avec la serveuse. Dans la soirée, j'observe un peu Sofiane. Et c'est vrai que Sofiane, il colle Jordan toute la soirée. Donc Jordan en a marre et ça se ressent. Ah,
Arrête, oh, yeah, vas-y, t'as tes mains pleines de vodka, j'ai dit. Arrête, t'as tes mains pleines de vodka, ma biche. Il prend trop la confiance avec moi, et puis moi, j'aime pas ça, donc moi, en gros, je lui gueule dessus. Arrête, ouais. Arrête, là, la violence, j'aime pas. C'est vrai, quand on me touche, c'est tout dans ta, j'aime pas. C'est pour ça que je m'énerve vite, parce que j'aime pas, en fait. Donc, avec Soso, je prends un peu... Je prends un peu de recul et voilà. C'est vrai qu'on l'évite un peu en ce moment, Sofiane. Parce qu'il nous saoule, parce qu'il est trop gentil pour être vrai. Faut pas nous prendre pour des bébêtes, on n'est pas débiles. Donc nous, on se rend compte qu'à un moment donné, il nous met peut-être une quenelle. On décide d'aller sur le truc de karaoké. Moi, vu que je suis un chanteur amateur, en fait, j'adore chanter, mais je chante mal. Je choisis, maintenant je choisis intelligemment, je choisis une chanson collective. On est en train de chanter, on se prend pas au sérieux. On se dit voilà, le ridicule ne tue pas. On est en train de s'éclater, on s'amuse, mais on est à fond dedans quoi. C'est une horreur. Je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Parce que j'aime bien me faire remarquer. J'ai envie de montrer que je sais chanter, que je suis à l'aise en public. Je vais à gauche, à droite, je me balance, vraiment comme une chanteuse. Tu t'es biancée, t'es prête, t'es Paris Hilton, voilà quoi, je sais pas. Pas obligé d'en faire des tonnes, mais voilà, t'es pas non plus à un concert. Au bout d'un moment, voilà, c'est un petit karaoké. Elle a que ça, la chanson, donc quand elle chante, bah, elle le fait bien et elle essaie de se faire remarquer. C'est une fille qui se la pète, qui veut chauffer les garçons, et nous, on n'aime pas les filles comme ça. On est tous fatigués, on décide de rentrer à la maison. Sur ce, bonne nuit les amis. Ouais. À demain pour de nouvelles aventures. Salut. On rentre à la maison et puis bah, tout le monde décide d'aller se coucher. Voilà, j'ai encore du mal à m'intégrer, j'ai encore du mal à montrer mon caractère. Mais j'espère que plus les jours vont passer, plus... Voilà, je vais essayer de quand même de faire un effort. Je me réveille et avec Vincent et Charles, on va faire du acting dans la matinée. Donc nous, on est hyper contents parce que tous les trois, on s'entend super bien. Prête pour le cours d'acting. Quoi? Prête pour le cours d'acting. Totalement. Puisque c'est un cours, donc il n'y a pas de quoi stresser. J'ai hâte. Il y a Sofiane qui est partie dans la nuit, ça n'est pas bien. Quoi? Donc voilà quoi. Sentais pas bien? Ouais, Sofiane est partie dans la nuit. Il est parti à l'hôpital. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il a, quoi. Sofiane est partie dans la nuit, il m'a réveillé, il m'a dit bah voilà, ça va pas, j'ai des bouffées de chaleur. Bah moi j'ai fait le nécessaire pour qu'ils partent à l'hôpital, donc ils sont tous très inquiets. Charles, tu viens? Ouais, on y va. Bon Yael, bon courage à toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure? Ouais. Allez, salut, on vous embrasse, à bientôt. Bon ciao. On part en direction le cours d'acting, Hilary, Charles et moi. Attention, en voiture décapotable, pour se relaxer, pour se détendre. Voilà. Donc, smile, relax à fond, kiffe. Allez.
On arrive au lieu du rendez-vous. Je suis un peu stressé pour ma part, je sais pas comment ça va se passer. T'es stressé, ça va? C'est carrément. Un petit peu, ouais. Je sais pas du tout à quoi... Bah en fait, j'espère vraiment que c'est un cours, tu vois, qu'ils vont nous montrer leurs trucs et tout, tu vois. Moi, j'ai peur quand même, parce que c'est un truc que je maîtrise pas du tout. Ouais, moi non plus. On n'a jamais fait théâtre, on a vraiment jamais rien fait. Donc on est un peu perturbés. Quand on arrive, on rentre, on va dans une pièce où il y a en fait plein de trucs. C'est tout son palmarès depuis qu'il est né. Regarde. Et Magnum aussi. Il a fait de p***iment. Le mec, il a eu un award. Un award. Si ça, c'est pas un truc de barge. En fait, le mec, c'est pas n'importe qui, hein, les Blackport. C'est pour ça que t'as vu avec tout qui a tourné. Bah, du coup, je suis stressée. Je suis pas très bien. Oula. Hello. 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 How are you? Richard. Donc, on arrive et on voit un monsieur, donc, très costaud, etc. Donc, il parle forcément anglais. So, we're gonna do an improv. Une improvisation. Improv, right? Okay. You sit here, you sit here. Dès le départ, on est à l'écoute et puis on sent qu'on a envie de réussir. Et on est là et on veut qu'il soit fier de nous. So, she's a girlfriend in a bar. En fait, c'est ta petite amie et vous êtes dans un bar. Et on est dans un bar. Right. You saw her kissing another man. Et j'embrasse By un autre the garçon. Bathroom. Do you understand? Yeah. Bon. Et je te vois là, t'es avec le mec, qu'est-ce que tu fais là? Vincent, il commence à jouer son rôle à fond. Non, mais non, je t'ai dit non, faut arrêter tout ça. Moi, je suis pas là comme ça, en train de faire genre, oh, super. Je suis étonné parce que on se met vraiment dans le personnage. Arrête de faire ça, nanana. Tu me regardes, ok? Ok? Tu me regardes, d'accord? Pas de bisous, sinon, basta. Ok? Et en fait, là, ma tête, elle change, il arrive pareil. C'est pas ta faute! Non, d'accord? Hé, tu me pousses pas, tu me respectes, ok? Ouais. Quand je le vois attaquer, je me dis, je me mets au taquet direct. Est-ce que tu me respectes quand tu fais ça? Toi, tout le monde, un bisou! Bah, alors, j'aime bien m'amuser! Bah, alors, là, c'est... On joue le truc à fond, c'est hyper fort. Et on se dit, putain, en fait, on kiffe faire ça. Very funny. Jouer avec sa copine et qu'elle joue vraiment bien et moi aussi. C'est kiffant, c'est trop bon. So, I want you two to do an improv now. Et ensuite, bah moi, je dois jouer une scène où genre, j'avoue à Vincent que je kiffe Eli. OK, here we go. En fait, Vincent, faut que je t'avoue que... J'ai un peu peur. Je sais pas comment te le dire, mais... Enfin, voilà. J'arrête pas de regarder Eli et tout. Quoi? Et voilà, quoi, y a un truc. Voilà, je... On se prend vraiment au sérieux, quoi. On laisse pas transparaître le fait que ce soit de la comédie. Elle est au top, quoi, tu vois. D'accord. Et tu veux pas dans ma gueule? Non, mais sérieux. Ah non, mais voilà. C'est un peu genre Scott. Je pense vraiment qu'il peut faire un truc bien. Et il faut vraiment qu'il reste concentré. Mais il n'y arrive pas forcément. Mais t'as un problème dans ta tête. Mais non, mais t'as un problème. Donc tu vois la porte? Tu vois, non, les gars, tu vois ça, là. Tu vois ça, tu reprends chez toi. Voilà, et tu te casses, OK? Allez, casse-toi. Faut qu'il s'énerve vraiment, donc ça me fait plus rigoler qu'autre chose. Parce que bah c'est comme si ça s'est passé en vrai. Et voilà, j'arrive pas à garder mon sérieux, quoi. Mais faut que ce jeu est en fou, c'était marrant. Je pense que Charles fait bien, mais il peut largement faire mieux. You like to have fun, but you have trouble taking things serious. Il me dit, faut vraiment que je reste sérieux, mais j'ai vraiment un beau potentiel et je peux vraiment faire quelque chose. So, yeah, excellent, excellent. Oh, thank you. Very, very creative. The only question is that are you willing to work hard? And have discipline. I want. J'aimerais faire ça. Et du coup, je lui fais comprendre que je suis vraiment motivée. Et tout ce qu'il peut me demander, eh ben, je le ferai. You have great imagination. J'ai une bonne imagination, yes. Yeah. Handsome face. Nice body. Very expressive. OK, bah écoute ma boule, merci. C'était très sympa, tu t'as vendu du rêve. Moi, j'ai kiffé à fond. My students do films every month. If you were here, we would cast you in that movie. We would create characters for you. Quand on entend ça, mais on explose de joie. Vraiment, on est trop contents. Yeah. Thank you. On est tous fous, on est super contents. Et en plus, bah, il est super connu dans le métier, quoi. C'est-à-dire que vraiment, s'il nous a choisis, bah, c'est vraiment qu'on a été bon. C'est une pression encore de ouf. Et on attend de voir. Parce que ça va être chaud. All right, good. On lui dit au revoir, les étoiles plein les yeux, parce qu'on se dit, mais on va tourner dans un film. C'est un truc de barge. Comment c'était trop bien. Oh, on part dans la bonne humeur et on se dit, c'était cool. On va jouer dans un film. Oh, ah, putain, trop, trop bien. Content. Bah franchement, tu vois, on était comme ça, stressés et tout. Ouais. Bah, dès le départ, ça vaut le détour. On est pris pour jouer dans un rôle, dans son film.
Donc ça déchire. Je suis trop contente. Franchement, ça cartonne. Moi, Gaëlle, Adixia, Coco et Tricia, on s'en va au cours du pop. Vous arrivez au hip-hop, Maryse, ouvre la porte. Oh, la casquette. J'adore. Michael Jackson. Ça va? Elle aime d'accueil, oui, bah voilà. Je vais vous mettre dans le bain direct. Elle commence à nous faire une démonstration, mais on est restés tous choqués. Un petit bout de femme comme ça, qui sait faire ça, on est vachement impressionnés. Déjà, moi, le niveau était comme ça. Et là, maintenant, je me dis, mais c'est au-delà de tout ça. Donc, comment je vais faire? Ça me met une pression malade. Mais ça me fait peur. Ça veut comment me dire que bah, je vous allez commencer tout de suite. Donc, je vais montrer un petit peu de base de break. Donc, on est ici, on ouvre à droite. On commence le cours de hip-hop et on se rend compte que c'est pas facile. Droite, gauche. Maintenant, la gauche part avant dans l'autre sens. Gauche, droite. Gaël, c'est du basique, ça, hein. C'est con, mais c'est dur. Ouais, c'est con, mais c'est dur. Ouais. Ok, ok. Donc, juste la main. Moi, je me rends compte que la difficulté est là, mais direct. Et pourtant, je m'accroche. Je le fais à fond. Ok, encore. 5, 6, 7. Hey ! 1, 2. Gaëlle, c'est la danseuse des ch'tis. C'est des bases. Et Gaëlle, elle galère un peu à les faire. Donc, je vois qu'elle est pas trop, trop bien. Gaëlle ? Ouais. Tricia, elle génère mieux que toi. J'arrive pas. C'est toi, la danseuse ? Elle me lance des piques, je me sens mal, mais au plus profond moi-même. Après, je comprends. Si Tricia n'est pas danseuse et qu'elle y arrive, toi qui es danseuse, normalement, tu dois pouvoir y arriver parce que c'est chose basique. Allez, allez, là. 5, 6, 7, hey. Merde, j'avais pas compris. On tourne les Camelot style. Je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche et que j'aime pas et ça me bloque. Je me remets en question, mais totalement. Droite, gauche. Peut-être que finalement... Ça n'a pas été si simple pour moi de réussir à... Enfin, de réussir mon objectif. Hey, 1, 2, 3. Et là, tu changes. Faut quand même être souple, être relâché, être détendu. Je vais m'efforcer à réussir, mais... Et les, ça me fait peur. C'est pas comme les autres destinations. Là, je sens que le niveau, il est très haut et ça me fait bader. Voilà, ça me fait peur. Welcome to Hollywood. Le mec du Super Club m'a appelé. Dixès, donc tu redanses ce soir. Et Gaëlle, il veut te redonner une chance. Je sais pas, ça me fait vraiment peur d'y retourner. Quand Gaëlle, elle arrive pas à faire quelque chose, bah, elle lâche vite l'affaire. Je suis en mode flippette parce que j'ai peur de ne pas réussir. Qu'est-ce que tu penses d'Adixia? Tada! Ah là. Vincent, il a le même avis que moi. Il dit qu'Adixia, elle sert à rien. Celle-là, c'est ma photo préférée, celle-là. Laquelle? Celle-là? Ouais. Tu te dis quoi quand tu vois ça? Que je veux bien avec. Ah! Il voyait que je craque bien sur Jordan. Bah moi il y a dit que ça, bah il y a des jeux de regard par-ci par-là. Il passe son bras autour de moi et j'aime bien. Moi je suis un peu déçue, enfin c'est mon pote. Alors je méfie la petite addiction. This is Hollywood. Pas la soirée spéciale ABBA avec Mamma Mia suivie d'un documentaire sur le phénomène ce soir à 20h50 sur W9.